Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de la conquête d'Athènes. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial. On va aller voir plusieurs choses, plusieurs clubs et un match de foot et un match de basket également qui sera dans cette vidéo. Là, je suis en haut du mont Lycabette, un démon les plus hauts, le mont le plus haut d'Athènes. Regardez-moi cette vue incroyable qu'on a sur la vue sur Athènes avec l'Acropole qui est juste derrière, qu'on a vu dans l'épisode 1. Et ensuite, le stade de l'Olympiakos qui est juste là-bas, qu'on a vu également dans l'épisode 1. Donc là, aujourd'hui, on va s'occuper du Panathinaikos, un des clubs omnisports les plus importants de Grèce. On a notamment été voir le Panathinaikos basket dans une ambiance assez incroyable avec le gate 13 qui est assez ouf. Donc là, c'est parti, direction la ville d'Athènes en bas. Là-bas, il y a le stade des Jeux Panathénées qui est vraiment impressionnant. Donc on est parti pour ce deuxième épisode de la conquête d'Athènes. Let's go. Donc là, pour monter sur le mont Lycabette où on était, on a pris ce téléphérique, ce funiculaire qui coûte 5 euros. Allez, 7,50 euros pour le retour. Le retour, c'est par les sentiers. Vous avez pu voir, c'était magnifique. Là, je passe sous les orangers. Donc c'est super, super typique. Ça monte beaucoup, ça fait travailler, ça fait un peu de sport. Mais c'est ça qu'on aime. Et là, direction le stade du Panathinaikos. Donc c'est pas le stade dans lequel le Panathinaikos joue, mais c'est le stade historique. On y verra autour du stade normalement de nombreux tags ultra de la part du Pana, qui est vraiment un club à part ici. Donc on parlera juste après. C'est parti, direction le stade du Pana. Ça y est, on arrive près du stade. On vient d'apercevoir les premiers projecteurs sur le chemin entre ce mont et là où on est. Et partout même, ici, ce qui est impressionnant, c'est les tags. Il y a des tags partout. C'est incroyable dans toutes les rues, de tout et de n'importe quoi, mais beaucoup, beaucoup de tags liés au foot, de sur-tags. Et donc là, on approche du stade. Je vois les petits projecteurs là-bas. Ça sent bon. Ça y est, on est là. Juste là, le stade du Pana, qui est vraiment super impressionnant. C'est très vétuste. Ce stade, c'est pour ça que le Panathinaikos n'y joue pas en ce moment. Je pense que c'est pour des soucis de vétusté du stade. De l'extérieur, c'est assez impressionnant. Il y a des tags comme là, vous le voyez, juste à côté, partout, le tag et le stade est surtagué de partout. Et c'est vraiment ça qui est impressionnant. Devant ce stade qui est impressionnant, on va parler un peu du nom du Panathinaikos. Pourquoi Panathinaikos porte ce nom? Ça vient du grec pan qui veut dire tous et Athinaikos qui fait référence à la ville d'Athènes. Donc c'est le stade et le club de tous les Athéniens de par son nom. Bon, il y a énormément de clubs ici, donc c'est pas forcément le cas en réalité, mais en anglais c'est All Athenians. Par exemple, d'être un club de foot créé en 1908, le Panathinaikos est un club omnisport et sa section qui est la plus glorieuse avec le football, c'est la section basket qui a été créée en 1919. Là, on est juste devant la boutique du Panathinaikos basket, Panathinaikos qu'on a été voir hier soir. Donc là, je vais vous lancer un petit résumé des meilleures actions, des meilleures ambiances qu'on a vues hier soir au stade Nikos Galis, l'arena de 19 000 places du Panathinaikos. Donc c'est parti, on part sur le basket hier pour ce match d'Euroleague entre le Panathinaikos et Salgueris. Attention, ambiance, c'est parti. Donc voilà, ça y est, on se retrouve au niveau de la salle Nikos Galis pour un match de basket. Un petit coup, un petit aperçu, je vous commenterai pas comme le foot, comme je sais le faire pour le foot, c'est pas ma spécialité, mais il y a une sacrée ambiance ici normalement pour les ultras du Panathinaikos dans cette salle de basket, l'une des plus grandes salles d'Europe qui fait 19 250 places. Franchement, je suis tout en haut et elle est vertigineuse. Ça donne vraiment une impression de grandeur assez incroyable. Donc on va vivre ensemble le match d'Euroleague entre le Panathinaikos et Salgueris pour ce match avant d'aller voir le Panionios tout à l'heure dans la vidéo. Ça sera dans cet épisode-là, le deuxième de la conquête d'Athènes. Thank you.
Maracana est juste derrière au score. Et là, il y a une grosse hostilité envers les arbitres. C'est escorté carrément. Ils sont escortés, ouais. Escortés par la police pour sortir du terrain à la pause. Panathinaikos qui l'emporte 96-94 pour ce petit passage de basket. L'ambiance valait le coup, je vous conseille de venir ici, ça m'a coûté 18€ plus 10€ pour la carte membre pour venir tester ici, venez le faire, ça vaut le coup. La salle est énorme avec ses 19 200 places, c'est incroyable, vraiment vraiment c'est à vivre. Donc on se retrouve dans quelques instants direction le Panionios pour le match de foot de cette vidéo, de cet épisode, le deuxième de la conquête d'Athènes. Je vous remets le premier ici si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce basket. C'est pas courant sur la chaîne, mais là je devais y passer. C'était vraiment important d'aller vivre ça parce qu'on n'aura pas de match du Panathinaikos pendant cette conquête d'Athènes. On a eu le match Olympiakos dans l'épisode 1. Ce soir on a le match du Panionios, un autre club grec. Donc on devait passer, on devait parler de cette histoire du Panathinaikos. Et là il est 13h13. On arrive devant l'emblématique Gate 13 qui est là, juste devant moi ou juste derrière moi. Il est là, le Gate 13, à 13h13. Donc ce stade Apostolos Nikolaïdis est le stade historique du Panathinaikos. Il fait 16 200 places. Il a été construit en 1922. Il a été l'ancien stade également de l'équipe nationale grecque. Il est construit juste à côté notamment des grandes voies ici de voitures que vous entendez certainement. C'est assez particulier ici à Athènes. La ville a été beaucoup construite autour des voitures et autour du trafic routier. Il y a d'énormes artères routières à 3 voire 5 voies, souvent à sens unique. Ça donne un bazar, des taxis dans tous les sens. Donc franchement nous on prend le métro parce que c'est un bordel pas possible, excusez-moi du terme. Mais c'est assez incroyable. Et le stade là, qui est toujours là juste devant nous, on continue et on finit le tour de ce stade emblématique et mythique qui appartient au Panathinaikos et qui pour l'instant est encore debout, même si le Panathinaikos ne joue plus ici. Attendez là, on fait un peu d'urbex, on vient de trouver un peu l'arrière du décor et franchement, quand je vous dis c'est vétuste, c'est assez incroyable. Incroyable, regardez en fait, ça. C'est malsain. C'est malsain mais c'est ça qu'on aime. C'est incroyable. Il y a des fils et des câbles de partout. C'est assez abusé là. Assez incroyable. C'est au bord du périph. Incroyable. C'est nain. C'est clairement n'importe quoi là. Clairement avec un peu d'envie, je pense que j'ai pas... Un délire, c'est un délire. C'est un délire. On fait ressortir d'ici avant d'aller voir ailleurs, un autre endroit pour continuer cette visite. Donc là ça y est, on a changé de quartier, on est à Péristérie. On a pris le métro, on s'est rendu. C'est un petit quartier qui m'a l'air plutôt sympa avec pas mal de boutiques. De quoi manger, de quoi faire les soldes. Et là ce qui nous intéresse d'ailleurs, c'est une boutique ultra dédiée au monde ultra.
dans lequel on va sûrement trouver beaucoup de choses intéressantes. Alors, clairement, c'est la clim. Petite clim comme on a l'habitude, on arrive devant et là c'est fermé. C'est fermé, ça a sûrement changé de localisation. On va essayer de taper les adresses, mais bon, c'est écrit en cyrillique. Ça, c'est aussi le souci ici. C'est pas le même alphabet que nous, donc souvent c'est écrit quand même avec notre alphabet, mais là non. Donc on va aller chercher ça, on essaye d'y retrouver. Si on le trouve, ça sera juste là maintenant. Sinon, on va passer à autre chose. Voilà, pour se remettre de la clim, on va goûter une spécialité locale. C'est un nom assez particulier d'un joueur de foot. Ça s'appelle un koulouri ou un koulou ou des koulouristes. Donc en référence au joueur grec, l'attaquant de Toulouse en ce moment, qui a marqué au mois d'août et au mois de septembre. Et puis comme un moustique, qui a disparu comme un moustique. Donc on va goûter ça, un petit pain au fromage pour moi, sinon c'est au sésame d'habitude. Donc on va goûter ça. Vous l'avez vu, le tag qui est juste là-bas, c'est un tag du club de l'Atromitos, un autre club de la ville d'Athènes, de cette agglomération d'Athènes. Du coup, on n'avait pas prévu d'y aller, parce que le match c'est demain en même temps que les autres matchs qu'on va faire. Mais bon, là c'est parti, on est donc à 1 km à pied, c'est comme ça qu'on se lance en direction d'un nouveau stade pour aller le voir. Let's go. Donc voilà, vous venez de le voir juste devant, il y a le stade qui arrive. Ça y est, on y est arrivé après un petit kilomètre de marche. On fait des stats, on marche beaucoup lors de ces voyages. Beaucoup. Quand on avait été à Londres pour la conquête de Londres, on avait marché plus de 100 km en 7 jours. Et là, on enchaîne. C'est ça aussi le tourisme. C'est ça aussi le football. Ça permet de voyager et de voir plein de choses. Et de découvrir des quartiers, des endroits qu'on n'aurait pas été s'il n'y avait pas eu ce type de stade qui m'a l'air assez spécial. Ça y est, on est arrivé au stade. Au stade de l'Atromitos. On est passé devant, il est là-bas juste derrière, on le voit pas très très bien. Mais c'est encore impressionnant le nombre de tags qu'il y a. Et là par exemple, sur l'endroit où je suis, une petite place, il y a des tags de partout. Partout. Vraiment partout. Franchement, ce stade il payait pas de mine. Mais si vous aimez tous ces tags et tout ça est vraiment imprégné de l'ambiance d'ici, juste en y voyant ces dessins, c'est vraiment l'endroit où il faut venir. Il faut vraiment venir ici. C'est une belle découverte qu'on a fait. Et heureusement qu'on a vu ce premier tag à 1 km d'ici pour venir ici avec ces espèces de travées magnifiques, un panneau de basket qui est mort et ces tags un peu partout. Et donc voilà, avant de quitter ce lieu, ce stade, je vous parlais deux secondes en donnant quelques éléments clés sur l'Atromitos. Atromitos, c'est un club qui a été créé en 1923, il me semble d'ailleurs. Ce club signifie, Atromitos signifie intrépide. Donc c'est le surnom qu'ils ont ici pour ce quartier de Péristérie. Ce club a joué deux fois les barrages d'Europa League et s'est incliné ces deux fois, une fois contre Newcastle en 2013 et également un an plus tard contre l'AZ Alkmaar. Le club néerlandais, donc c'est un club assez quand même important ici en Grèce. Donc voilà, ça y est, on vient de sortir du métro, là on va aller prendre le bus pour terminer le trajet. On a 1h30 du match entre le Panionios et l'Ofi Crete. On va aller voir le match entre le dernier et une équipe très très moyenne de ce championnat, l'équipe d'Héraclion, l'Ofi Crete. Voilà, ça fait partie de ces expériences. Je vous parlerai aussi de ce Panionios qui a une histoire très très particulière et très très originale. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Ça me rappelle un peu le match qu'on avait vu en Liga entre le dernier Leganés et le Celta Vigo, 20e contre 18e. Là, pour vous dire un tout petit peu, les deux équipes, elles restent sur 5 défaites d'affilée ou 4 défaites et un nul. Donc voilà, là on va prendre le bus et je vous dis aussi, les bus c'est une sacrée aventure. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été changés depuis les JO 2004. Donc on va vivre ça. Franchement, il est dur. Il a la météo. On est dans le bus. Comme j'avais dit, hein, c'est un délire. On va
Bon, certes, il a la météo, mais bon, il annonce même pas les arrêts. En plus, c'est en cyrillique. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on va arriver au stade. Mais bon, apparemment, je crois qu'il y a 8-9 arrêts. Donc, on verra bien. Ça fait déjà quelques-uns. Mais... on va tenter. Derrière moi, là-bas, je crois qu'il y a quelqu'un avec une écharpe du Panionios. On va essayer de le suivre. C'est la mission. Et oui, ce club n'a pas été créé ici, en Grèce. Il a été créé en Turquie, à Izmir, en 1890, qui en fait le plus vieux club de Grèce. Il a été ramené ici en 1922, à la suite de la défaite des Grecs dans une guerre contre la Turquie. Les Grecs qui étaient en place en Turquie, qui ont ramené ce club ici à Athènes, et qui l'ont ramené dans un quartier qui a été appelé la Nea Smyrna, donc le nouveau Smyrne, qui correspond aujourd'hui à la ville d'Izmir. Là, on est juste devant la boutique. On va y aller pour faire notre tour habituel, pour essayer de trouver un truc insolite. Je sais pas du tout ce qu'on va trouver chez le dernier de Grèce. On verra bien. Et là-bas, il y a des petits vendeurs de kalamaki. C'est des petites brochettes. Vous allez voir, je pense que je vais en prendre après. C'est vraiment bon. Là, je pense que j'ai trouvé l'objet insolite. C'est la bougie. Ils ont plein de bougies de Noël qu'ils ont fait et qu'ils vendent tout au long de l'année. Donc je pense que je vais en ramener une en souvenir d'ici, parce que je viens de discuter pas mal de temps avec le gérant de la boutique. Et c'était vraiment super, super intéressant. Je vous en parlerai sûrement, je vous mettrai quelques extraits. Well, they usually sell during Christmas. But it's the only thing we keep that is Christmas related all year round. Okay. You in Panionios. What, which team do we hate? Yes. Everyone. Everyone. I think Panionios is not a team that goes for a championship, so it's also the oldest club, so it doesn't really care about it. We measure hate with who has harmed the club more, because it's a club without money, so they come and take the players. The most damage caused to Panionios is from Panathinaikos. C'est parti? C'est parti. Ok. Je te laisse commander? It smells very good. Very, very good. Why people have to come to eat Greek food? Okay. The Greek food, the best. Thank you, my friend. Thank you. Ça y est, on a fini de manger. On a récupéré les places du match qui coûtent 10 euros chacune. On a la place pour aller voir le match. On m'a dit que je serais peut-être malade après avoir mangé ces brochettes et ce super sandwich. Pour l'instant, c'était très bon. Mais je vous ferai une update. Je le mets juste ici si j'étais malade. Au montage, je vous le mets. Mais là, c'est parti, on va aller dans la tribune. On est juste à côté normalement de la tribune ultra, donc on va aller tester ça. C'est parti pour ce match de Super League grecque entre le Panionios et l'Ophicrète. Si on m'avait dit un jour que je viendrais ici, je suis pas sûr que je l'aurais cru. Mais bon, c'est pour ça qu'on aime le grand doping, c'est pour ça qu'on aime le football. Donc let's go, c'est parti voir ce match entre le dernier et une équipe qui a très peu de points aussi. Donc là, on passe par la tribune ultra, vous ne voyez pas forcément. Il fait très sombre, c'est assez spécial. C'est, comme dirait Valentin, malsain. C'est malsain, mais c'est ce qu'on aime. Sacrée expérience. Petite marche, des tags de partout. Ça y est, on est rentré dans ce stade du Panionios. J'arrive vraiment pas trop à réaliser, je pensais jamais venir ici. Et c'est incroyable de vivre ça pour le foot, de vivre ça avec le foot. Il y a un an, on se connaissait pas avec Valentin. Non, du tout. On se connaissait pas. Le premier match qu'on était voir, c'était. Comme Twitter to Panionios. Il y a un an, on se connaissait pas. On s'est connus en février 2019 et là on est au Panionios ensemble. Et on kiffe, et c'est incroyable. Quelle vie. On va vous faire vivre ça, on va vous partager ça. Là, juste derrière, il y a quelqu'un qui est en train de se chien, qui lui a mis une écharpe. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est n'importe quoi. Je sais, genre le chien est en tribune avec une écharpe. C'est n'importe quoi. Je l'ai pas enregistré.
bon, bah j'ai annoncé but et il y a eu but. Bon, comme un con, je me suis levé. Mais ouais, il y a eu but. D'ailleurs, on a eu un but en direct. Je peux pas vous dire le nom du buteur. Je vais juste vous dire que c'est pour Héraclion qui marque. Bah, logiquement, hein, ils ont gagné qu'un match, le Pagnonios, depuis le début de la saison. Ils ont que 6 points. Mais ouais, petit coup de tête, tranquillement, dans le petit filet. Et là, il y a peut-être un deuxième. Ouais, c'est n'importe quoi, franchement. Allez, 1-0 pour Luffy Crête dans ce match. Après 12 minutes de jeu, carrément. Et petite livraison. Petite livraison au stade, pas besoin d'avoir Uber, une application de livraison ou quoi. Ici, il y a quelqu'un qui vient avec sa petite cagette qui livre les bières. Craca, je peux vous dire clairement qu'il y a largement plus de niveau en tribune que sur le terrain. Et c'est pas très très compliqué. Mais là, ce petit craca, cette petite odeur de fumée qu'on adore, elle est là. Donc voilà, c'est la mi-temps ici au Pagnonios. 1-0 pour Luffy Crête, on a eu le but, on l'a eu en direct, on a eu pas mal de choses insolites qui sont passées, un chien en tribune ultra là-bas juste à côté de moi qui s'est mis à chanter, on a eu un craquage aussi de la part du cop qui est là dans ce stade totalement insolite. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ce foot qu'on aime, on a vu l'Olympiakos dans le premier épisode et là aujourd'hui on est ici, on a vu tous les tags avant ce match, on a vu pas mal de choses et on finit en beauté dans ce stade totalement insolite. Je pense que c'est la plus insolite des expériences que j'ai vloguées depuis le début de la chaîne. Elle a du flow à la musique locale. Gnognos, allez. Qui a exulté, je l'avais pas encore remarqué, donc 2-1 pour Luffy Crête, le club d'Héraclion dans ce match contre le Pagnonios. Égalisation pour le Pagnonios. Ça fait 3 qu'ils ont d'affilée là. Est-ce qu'ils vont le faire? S'ils le font, c'est fou. Il y a 2-1 pour Luffy Crête. Il reste un cornet. Ah ouais, j'ai flippé. Donc voilà, c'est terminé ici au Pagnonios, entre le Pagnonios et Luffy Crête. Luffy Crête qui l'emporte 2-1, le Pagnonios qui n'a pas gagné. Ça fait beaucoup, ils n'ont gagné qu'une seule fois cette saison. Donc ça fait très peu. J'espère que vous avez kiffé quand même ce stade. Ce stade de 12 000 places. Très très rustique. Franchement très atypique. Je pense qu'il y avait 2000 personnes à peu près aujourd'hui. On a vu les buts. J'ai des 3 buts en direct.
sur cette caméra. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé également le Panathinaikos Basket. J'espère que vous avez kiffé les graphes, toute la culture ultra qui s'est dégagée dans cette vidéo. C'était la première fois que je voyais autant de tags, autant de signes ultra. C'était vraiment impressionnant, vraiment vraiment cool. J'espère que vous aimez ça. On se retrouvera très bientôt pour d'autres endroits. Dites en commentaire les conquêtes et les choses que vous aimeriez que je fasse. Là, il fait très très froid. Ça va être fini pour cette aventure en Grèce sur la chaîne, mais il y en aura d'autres. Vous inquiétez pas. On se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et vive les matchs, vive le foot et vive le football dans les stades. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao. Thank you.